Allez, Lou! Allez, en bas! Allez, en bas, en bas! C'est bien, Lou. Allez Louis, c'est super Louis. Les gars, on a enlevé une planche. Hein. Elle était tombée. Il n'y a plus qu'une. Louis, il n'y a plus qu'une planche. L'autre est tombée. Il n'y a plus qu'une planche, les gars. Il n'y a qu'une planche. Il n'y a qu'une planche. Allez, là, super. Il n'y a qu'une seule planche. Allez, Louis, tu peux le faire. C'est bien, Louis. Allez Loulou, c'est pas loin Lou. Ah bah oui. Allez Neto. Thank you.
Alenzo, c'est bien, ça fait trop un peu là. Louis, c'est deux tours. Il reste deux tours. Hein. Deux tours. Celui-là et un autre. Oui. Après ça, il reste plus qu'un tour, Louis. Tu peux le faire. Lénard, le coureur du Team Côte de Granit Rose, qui est en train de revenir sur celui qui avait pris le meilleur départ, Enzo Cuna, le représentant du VSS Sport, qui avait vraiment pris le meilleur start tout à l'heure et qui eh bien, semblait tout simplement imprenable. Et puis sur cette fin de course, on a vu qu'il y avait du changement, mais a priori, c'est lui qui a viré en tête lors du dernier virage. Est-ce qu'il y a le retour? On sait être superbe, on sait être une arrivée au sprint, mesdames, messieurs. On a demandé au doublé d'être vigilant, au doublé de rester sur le bas-côté. C'est l'arrivée désormais pour la victoire de la catégorie des U15 et la victoire à qui va revenir dans quelques instants, mesdames, messieurs, à Enzo Cuna, le coureur de Sker qui aura su résister pour aller chercher la première place. Victoire d'Enzo Cuna, deuxième place pour Louis Lebec, Lénard. Voilà pour le classement. Victoire d'un coureur finistérien aujourd'hui dans le Morbihan, la formation de Sker qui s'impose. Enzo Cuna qui signe à nouveau un beau succès aujourd'hui, la deuxième place qui revient à lui, le Bennett Lénard. C'est l'arrivée pour tous les coureurs, arrivée pour tous les coureurs classés sur les positions avec Enzo Le Bouchon qui vient en terminer. Je pense qu'on vient compléter le podium du côté de Montanel, Belmous. On va attendre la confirmation de nos amis arbitres, mais en tout cas, c'est l'arrivée pour tous les coureurs et la victoire qui revient à Enzo Cuna, le coureur de la formation de Sker qui s'impose aujourd'hui sur le rendez-vous de Seglia.